Aimeriez-vous recevoir le Christ comme votre sauveur personnel? Aimeriez-vous avoir la certitude qu'il vit en vous, que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes devenu une nouvelle personne? C'est possible. Pour ce faire, vous devez reconnaître au moins trois faits. La Bible dit, premièrement, que tous les hommes, quels qu'ils soient, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, comme cela a été mentionné, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a été marqué par le péché que pour quelqu'un qui a été plutôt marqué par la religion, de reconnaître qu'il est pécheur. Mais la Bible est claire et catégorique. Tous, qui que nous soyons, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Savez-vous ce que serait votre vie si vous étiez en communion avec Dieu? D'abord, reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous avez manqué le but de votre existence. Ça commence là. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix, prendre votre péché, votre iniquité, afin qu'en croyant en lui, qu'en mettant votre confiance uniquement en ce qu'il a accompli sur la croix pour vous, vous ayez la vie éternelle. Il est le seul sauveur, le seul qui peut vous donner le pardon. Cette femme a eu ses péchés pardonnés. Jésus lui a dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Aimeriez-vous savoir que Jésus vous dit la même chose? Tes péchés, tes nombreux péchés sont pardonnés. C'est possible si vous mettez votre foi en ce que Christ a fait pour vous à la croix. Et finalement, vous devez le recevoir par un geste de foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce de Dieu. Vous devez simplement l'inviter. Vous tournez vers le Seigneur maintenant et lui dire, « Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois que tu as payé mes péchés, que tu as payé pour moi, que tu as payé ma dette. C'est toi qui as payé sur la croix pour moi. Et à partir de maintenant, je me confie en toi. Seigneur, je te reçois maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. » Si vous faites cette prière sincèrement, le Christ vous accepte maintenant et vous donne la vie éternelle. Faites-le maintenant.